Petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un essaim de frelons asiatiques. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ils sont également presque à ras du sol. Alors là, on commence à voir, je ne sais pas si vous les voyez, ils sont dans la haie, vous voyez. À 20 cm du sol, il y a une grosse activité là. Il fait très chaud, il est 4 h de l'après-midi, là vous le voyez maintenant. Il est vraiment à ras du sol. Je rapproche un peu, mais on n'y voit pas grand-chose si ça fait le focus. Énorme. Ils sont toujours. Voilà. Les frelons asiatiques. On voit qu'une partie en plus du nid là. Donc il est vraiment dans la haie. La haie qui doit faire 1 m 20. Hein. Il est coincé dans le grillage entre les deux parties. Il est posé. Voilà, l'autre côté un champ de sorgho, ici chez moi à la prairie, que je viens de... raser un peu, et là je me suis aperçu, en débroussaillant, voilà, j'ai commencé à débroussailler ici, ça commençait à me tourner autour, donc à 4-5 mètres, facile. Et de l'autre côté, j'ai rattaqué un peu plus haut. Et là, ils étaient encore plus près. Je n'avais pas vu encore le nid. Et là, j'étais juste à côté. Et là, ça commençait vraiment à me tourner autour. Donc, j'ai arrêté, bien sûr. Mais ça peut surprendre. C'est pour les gosses, c'est pas terrible non plus. Voilà. On en a un autre là-haut. Dans le peuplier qui est là, tout à fait en haut. Voilà, énorme aussi. Le focus se fait pas terrible, hein. À mis au point. Ouais, alors celui-là est dans un emplacement dont on a l'habitude, hein, très très haut dans un arbre. Mais celui-ci par contre, en pleine dallée, elle est presque sur le sol. Hein, la base du nid doit être sur le sol, je pense. Et voilà, ça peut surprendre. Hein. Allez, à une autre vidéo plus tard.